Alors, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire comment s'est passée votre fermeture. Moi, ça a été catastrophique. Entre les crues, les pas crues, les décrues, les crues, les re-recrues, les refroids, les défroids, les dégels, les regels, les gros dégels, les gros redoux, la pluie, c'était dantesque, j'avoue. Par contre, ça m'a permis de tester quand même tout le matos. Je suis sorti avec quasiment tout. Et ça m'a permis aussi de comprendre que mon fils n'était pas trop intéressé par la pêche. Donc j'ai quand même beaucoup de matos en trop. Et il y a du matos dont je ne me sens pas super à l'aise pour l'utilisation que j'ai actuelle. Du bord sans flotte tube. Donc on va attendre la belle saison. Et puis du coup c'est un peu dommage d'avoir ce matos qui dort. Voilà. Donc du coup on va commencer. Comment? Allez, on commence par le gros morceau. Je vends la Daiwa 684 HRB, donc c'est une canne travel en 4 brins, 10-40 grammes. Je vous laisserai bien sûr le petit accroche hameçon là parce qu'il n'y en a pas là-dessus. Il y a l'ensemble dans la jolie housse qui rentre avec franchement les petits trous pour mettre les brins dedans. Très rigide, ça vous emmène ça. Dans une valise, c'est sympathique, c'est super. Donc je vends ça, c'est sous garantie, acheté en décembre chez Ardence Pêche, j'ai la facture, je vous la mettrai, il n'y a aucun problème. Et dans la même veine, ce que je les avais acheté ensemble, je me sépare aussi du Tatula 100 XLS en ratio de 8, frein de 5 kg, 200 grammes, c'est ça, hein, 195 grammes. Parce que j'ai voilà, je me suis gouré sur le ratio. Ça me convient pas à la pêche. J'arrive pas trop à sentir. Voilà, ça me. Bref. Du coup, tout fonctionne hein, forcément. Il a même pas 2 mois. Mais voilà, j'ai beaucoup testé. J'ai beaucoup lancé. J'ai pas le feeling que j'ai avec mes abus. Voilà. Donc c'est juste que voilà, j'ai commencé avec les abus. C'est vrai que celui-là j'ai un peu plus de mal. Le ratio ne me convient pas, donc du coup je m'en sépare, c'est taille 100. Et encore une fois, pareil, il est sous garantie, facture jointe. Alors, comme toutes les cannes et les combos que je vais présenter, vous pouvez avoir soit que la canne, soit que le moulinet, il n'y a aucun souci. Et ou le combo, ou un combo qui vous plaît. Donc c'est pour ça que je ne vous donne pas de prix là. Vous me contactez par nclsgmail.com et on discutera de tout ce que vous voulez. En plus, si vous voulez faire des packs avec les différentes cannes que je vais vous montrer, il n'y a aucun problème. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Ça. Ensuite, dans la même veine, aussi dans la 10-40 grammes, la buffée d'eau en 2,28 m, Rock Shock, comment ça s'appelle ? Rock, voilà, c'est ça, 2,28 m, super lanceuse. Franchement, très très bon ressenti. Là, je lui ai mis un Oscar de chez Jomco. Super moulinet, vraiment. Alors lui, vraiment, j'avais un super feeling. Donc, je le mets en vente. Mais si, parfois, c'est pas grave. Donc, l'Oscar, il fait, je crois, 8 ou 9 kg de frein. 8 kg de frein. Récupération en 7. Donc ça me convient quand même beaucoup mieux. Il y a 9 roulements, 200 grammes. Franchement, moi j'aime bien. La fine définition de la butte des faux, elles sont vraiment sympathiques aussi. C'est propre, tout est solide, ça tient. Très bon feeling. Encore une fois, je vous laisse me contacter. Ensemble, pas ensemble, séparément, pas séparément. J'ai les tubes pour les expédier, donc ça, il n'y a pas de crainte. J'ai les housses encore qui vont avec. Pour certains, j'ai encore les boîtes des moulinets. Donc, tout ça, ça viendra bien sûr avec. Ensuite, on descend. On descend avec la cavalerie. Cavalerie Mavlos. Alors celle-là, je n'ai pas forcément envie de la vendre. Mais bon, voilà, je me dis que c'est pas non plus une essentielle, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est une canne qui a 2 sions. Donc les finitions mat noir, comme ça, elles sont vraiment très très jolies. 2 brins. Qui permet en fait d'avoir une canne en 5-15 grammes, donc ça c'est le sion, voilà, elle fait 2 mètres je crois, ouais, 2 mètres, 2 mètres,
2 mètres, 2 mètres. Ensuite, et on a un autre sion qui permet d'avoir une 7,28 grammes. Donc ça, c'est pas trop mal. Les finitions sont vraiment top. C'est une spinning associée à un petit moulin de 2000 de ces Sinite. Archer 2 en 2000. La soie, elle n'est pas très vieille non plus. La soie. la tresse en 8X. 8 roulements plus 1. Bon petit moulinet. Frein un peu bruyant, mais... C'est sympathique, pas de problème. Donc ça, pareil, j'ai la housse. Par contre, j'ai plus la boîte du petit moulinet. Donc pareil, si vous voulez, c'est parfaitement équilibré. Soit la canne, soit le moulinet. Allez-y, on est parti. Ensuite, on va attraper taquer les lights. Donc, une autre Magloss. C'est avec celle-ci que j'ai pris mon plus gros cheval de 60 cm. Donc elle est super costaud, ça c'est sûr, ça marche super bien, associé à un bon petit franchement un des meilleurs moulinets que j'ai eu en 1000 pour les, du AliExpress, le Microfly de chez Kingdom, super petit moulinet, vraiment, hyper cool, très très smooth, très silencieux, moi je trouve génial, ratio de 5:1:1, il y a 9 roulements, le frein est vraiment très progressif. Ça, c'est super nice. Donc elle, voilà, petite canne d'1,80 m. Deux brins, voilà, pareil, j'ai toujours la petite housse qui va avec et le tube pour l'expédier. Et j'ai même la boîte du Microfly, voilà. Comme ça, ça ira avec. Boum. Tac. Et la dernière, qui est encore une huelle. Parce que chez moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chevennes. Donc bon, et de perches, donc voilà, c'est le but du jeu. C'est une casting mask steel, donc avec deux sions, un pour le 1,8 g et l'autre qui fait du 2,12 g, 1,80 m. Action plutôt moderate. L'autre est plutôt moderate fast, la Malos celle-ci est plutôt moderate, donc plutôt lente, plutôt pour les débutants. Associé à un Shimano Siena 1000, bon voilà, un petit moulinet. Pas transcendant, mais qui fait vraiment le taf qu'on lui demande, entrée de gamme, voilà. Donc un petit setup sympathique là, pour commencer, pas trop cher. Avec le deuxième sion, ça te permet de faire une light et une UL, donc ça c'est pas trop mal non plus. Pareil, il y a la housse avec et j'ai le tube pour l'envoi, ne craignez rien. Donc je résume, vous m'envoyez, si ça vous intéresse, vous m'envoyez tout ça par mail à nclsgmail.com. Encore une fois, je donne pas de prix parce que en fonction de quand vous allez regarder, oui machin, tu regarderas les trucs du chouette sur les promos de trucs, c'est trop cher machin bidule. Donc envoyez mes mails, je regarderai à l'instant ce que ça coûte avec la décote. Ensuite on regardera en fonction des quantités que vous voulez, si vous faites les ensembles, les cannes, les moulinets, on peut faire un prix de tout ça de gros. C'est pour ça que je ne donne pas de prix, c'est plus simple. Et ça permet un peu aussi de voir un peu tout ça de manière tranquille et plus sereine. Voilà, donc nclsmatisse.gmail.com, ça doit être marqué quelque part. Et je vous laisse là. Allez, à ciao, bisous.